Bonjour et bienvenue à tous dans ce 28e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Comme souvent, cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons parler des Los Angeles Lakers. Quelle meilleure occasion pour vous présenter le maillot de Kobe Bryant de la saison 2008-2009, celle de la quatrième bague du Black Mamba. Une pièce de collection que Rookie Republic vous propose en édition limitée. Les fêtes approchent à grands pas, alors pour combler vous-même ou vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO28. Super team, super team, super team. Voilà un mot qui revient incessamment dans le paysage médiatique de la NBA. Si les critiques sur l'association de stars sont nombreuses, beaucoup oublient que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. En effet, en termes de talent et de participation au All-Star Game, difficile de ne pas imaginer les Lakers des années 80 ou les Bulls des années 90 comme des super teams. Pourtant, c'est réellement au milieu des années 2000 que le terme s'est imposé dans le langage courant. Après avoir fini dans les bas-fonds de leur conférence, les Celtics de Danny Ainge frappèrent un très grand coup en 2007 en assemblant trois vedettes, Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Dès lors, la machine n'était pas prête de s'enrayer. Entre les Heatles de Miami, les Warriors du milieu des années 2010 jusqu'aux Nets d'aujourd'hui, la réunion de stars est devenue de plus en plus courante. De 1989 à 2008, 18 joueurs All-NBA avaient changé d'équipe durant l'intersaison. Lors de la seule décennie suivante, c'est 21 d'entre eux qui firent leur bagage. Mais finalement, est-ce que cette stratégie est toujours gage de succès? N'allons pas trop vite en besogne. Dans les années 90, les Rockets d'Olajuwon, Barkley et Pippen n'allèrent même pas en finale NBA. Le Big Three de Boston ne remporta finalement qu'un seul titre en 5 saisons. Celui de Miami perdit 2 finales sur 4, dont une rouste mémorable face aux Spurs. Les échecs de Super Team sont nombreux et pour cause. Assembler les grands noms ne vaut rien face à une réelle cohésion d'équipe. Le récit étant contextualisé, il est maintenant temps d'entamer notre voyage en enfer, là où se trouvaient les Lakers 2004. Mais avant cela, faisons une petite escale en 1988. Après avoir été un véritable phénomène populaire dans la décennie, la version Showtime des Lakers remportait alors son dernier titre, face aux certains Detroit Pistons. Depuis leur création en 1947 à Minneapolis, les Lakers avaient souvent rimé avec triomphe. De 1947 à 1991, l'équipe, désormais installée à Los Angeles, n'avait manqué les playoffs que 3 minuscules fois. Alors que Magic Johnson avait permis à la ligue d'exploser en popularité, les Lakers perdirent de leur superbe dans les années 90, pourtant considérée comme l'âge d'or de la NBA. Dans une ville si glamour comme Los Angeles, avoir une franchise ennuyeuse était un oxymore. C'est ainsi que Jerry West, general manager de l'équipe, appela Shaquille O'Neal en 1996 en lui disant « Je viens d'obtenir ce gosse depuis Charlotte. Je suis certain que vous allez gagner 3 ou 4 titres ensemble. » West venait de marquer un coup énorme en arrachant le monstrueux Shaquille O'Neal des mains du Orlando Magic. Vous l'avez sûrement compris, le gosse en question n'était ni plus ni moins que Kobe Bryant, un joueur lycéen dont Charlotte se sépara volontiers contre le pivot Vlade Divac. Avec le légendaire Phil Jackson aux commandes, les Lakers avaient toutes les cartes en main pour retrouver l'élite. Cela se produisit en 2000. Au sommet de son art, O'Neal était tout simplement inarrêtable, tandis que Bryant se montrait de plus en plus régulier dans ses performances. Le résultat est connu de tous. Les Lakers se transformèrent en boule de démolition et remportèrent 3 titres d'affilée, en 2000, 2001 et 2002. Alors, tout était radieux sous le soleil de Los Angeles? Pas vraiment. He kept going to the free throw line and kept missing them. And so he throw the ball out to me. I'm not throwing that shit back in there. Right? So I kept shooting him, right? So we get in the timeout and he's like, hey, I'm open. I'm like, okay. And so we go out and same thing, come, hey, I'm open. Okay. And you go, come back in. Hey dude, you gotta throw me the ball. I said, man, fuck that. Get it off the rebound if I miss, bro. You told him this. First year, 18 years old, man, 18 years old. And I must have been out of my damn mind. Depuis le début de leur association,
Le duo O'Neal et Bryant avait montré des signes de friction prêts à exploser à tout moment. Le vétéran Shaquille était facétieux et toujours prêt à faire la fête. De son côté, le jeune Kobe Bryant était un bourreau de travail, à l'ego déjà bien développé. Voyant que l'arrière ne tentait pas de s'intégrer dans le groupe à son arrivée, Shaq lui lança « Je te préviens que je ne suis pas ta babysitter. » When do you believe the friction which you and Kobe actually developed? I don't know. And I don't care. Paradoxalement, c'est à partir de l'année du premier titre que la guerre entre Shaq et Kobe atteignit des proportions rarement vues pour deux coéquipiers. Par médias interposés, les joueurs n'hésitaient pas à s'invectiver. Si Shaq continue de raconter n'importe quoi sur moi, je n'ai pas peur de m'attaquer à lui. À O'Neal de répondre. Kobe doit comprendre que les Lakers sont mon équipe. Il ne fait que jouer pour lui-même, sans se soucier de ses coéquipiers. C'est toujours à cause de lui qu'on perd. Chaque saison des Lakers semblait être une répétition. Le Shaq arrivait hors de forme, Kobe le lui faisait savoir, et toute l'année était sous le signe de la haine entre les deux joueurs. Et pourtant, ce ciel orageux n'empêcha pas aux Lakers de s'adjuger tous les titres jusqu'en 2003. Alors que Shaquille était blessé au pied cette année-là, Kobe prit ses responsabilités, en inscrivant plus de 35 points lors de 13 matchs consécutifs. Les deux joueurs firent moins parler d'eux, et lorsqu'arrivèrent les finales de conférence, Los Angeles se fit dominer par San Antonio. Les Spurs étaient une équipe aux antipodes des Lakers. Issue d'une ville bien moins glamour, la franchise ne comptait aucune vedette médiatique, mais au contraire un collectif très altruiste. Malgré les caractères belliqueux de Shaq et Kobe, puis la défaite en finale, les Lakers étaient prêts à entreprendre des grandes manœuvres. C'est ainsi que nous arrivons enfin à la saison 2004. Probablement conscient que le duo Shaq et Kobe ne serait pas éternel, Los Angeles décida de jouer son va-tout en recrutant le plus de stars possible. Alors que la franchise était des plus ambitieuses, une actualité tomba avec fracas. Kobe Bryant avait été arrêté pour viol. Cette actualité fit la une de tous les médias. Le sportif semblait désormais être relégué au second plan pour les Lakers. En pleine tourmente juridique et médiatique, Kobe n'hésita pas à lâcher un bon mot pour le Shaq. « Tu me disais tout le temps que tu étais comme mon grand frère, et maintenant qu'il m'arrive ça, tu ne m'as même pas téléphoné. » Pour ne pas arranger sa situation, Bryant alla parler de la vie privée de Shaq lors de ses interrogatoires. Il glissa notamment que le pivot était adepte de parties fines tarifées. Malgré tout, les Lakers devaient préparer la saison 2004, qui avait déjà commencé sous de bien mauvais auspices. Deux semaines après l'arrestation de Bryant, Los Angeles annonça l'arrivée de très grands noms, Gary Payton et Karl Malone. Le premier était âgé de 35 ans et avait fait les beaux jours des Supersonics des années 90. Le second était déjà quarantenaire et sortait des 18 saisons au Utah Jazz où il n'avait manqué que 9 matchs sur 1434 possibles. Tous deux pensaient enfin obtenir leur première bague en signant aux Lakers. Shaq raconta ses arrivées en disant « J'étais au téléphone avec ces gars une ou deux fois par semaine. Gary était un travail un peu plus facile car il était prêt à quitter Seattle. L'affaire Karl Malone était plus délicate, mais finalement, je l'ai convaincu. » Shaquille put his spin on it. He's a, you come to LA, we rule the world. Gary Payton, Kobe Bryant, Karl Malone, Shaquille O'Neal. Voilà le quatuor d'Hall of Famers qu'avait réussi à assembler les Lakers. Qu'en pensait la concurrence? Écoutons Tayshaun Prince, l'ailier des Detroit Pistons. Quand j'ai appris la nouvelle, ma première réaction a été « Ok, on leur donne le titre. » Et pourtant, cette saison qui devait être le paradis se transforma en enfer. Âgé et caractériel, Payton et Malone étaient rébutés à l'idée d'apprendre le jeu en triangle, si cher à Phil Jackson. Pour la première fois de sa carrière, l'ancien joueur du Jazz fut rongé par les blessures, tandis que l'ombre du procès de Kobe planait sur toute l'équipe. Tant bien que mal, les Lakers finirent la saison régulière avec 56 victoires, avant de se diriger vers les finales. Maigre consolation de cette saison, Derek Fisher écrivit l'histoire en plantant un tir légendaire à une seconde de la fin du match 5 des playoffs. Malgré le peu de cohésion des Lakers, l'équipe était tout de même grandement favorite en finale face aux Detroit Pistons. La franchise du Michigan était alors entraînée par Larry Brown. Ce dernier avait été humilié 3 saisons plus tôt en finale alors qu'il était à la tête des Sixers. Durant 3 ans,
le tacticien rumina une stratégie défensive pour contrer les Lakers du Shaq. Avec Rashid et Ben Wallace aux commandes, les Pistons de 2004 reflétaient la férocité des Bad Boys des années 80. Tayshaun Prince de raconter. Un journaliste m'a demandé « Comment allez-vous vous sentir lorsque vous allez perdre cette série ?» Je me suis mis à éclater de rire. L'improbable se produisit lorsque les Pistons piétinèrent la super team des Lakers. Dès le début de la série, Détroit ne laissa aucune chance à Los Angeles, qui s'inclina finalement 4 matchs à 1. Inutile de rentrer dans des statistiques avancées. Comprenez simplement que la défense de Détroit menée par Ben Wallace a carrément muselé l'attaque des Lakers. Bon perdant, Kobe s'exprima en ces mots. Honnêtement, Détroit a extrêmement bien joué. C'était une machine bien huilée des deux côtés du terrain. Ils étaient tranchants comme un couteau. Extrêmement agressifs, extrêmement précis, extrêmement méthodiques. Et leur victoire est extrêmement méritée. Was this probably your last game as a Laker? I don't know. Do you miss being a part of the Los Angeles Lakers? Of course not. Why not? Because this is business and I'm a businessman. L'humiliation en finale sonna le glas de la période Shaq et Kobe des Lakers. Contre l'avis de Phil Jackson, ce fut finalement le pivot qui fut envoyé à Miami. Gary Payton fit pour sa part ses bagages pour Boston. Karl Malone, lui, prit une retraite bien méritée. Tous les joueurs des Lakers furent mentalement marqués par cette saison cauchemardesque. Plus tard, Kobe avoua que cette année noire lui empêchait encore de dormir. Pour les fans de basketball, l'amertume est identique. Qui sait ce qu'aurait pu donner un duo Shaq et Kobe sur le long terme? Malheureusement, les deux joueurs avaient des égos bien trop surdimensionnés pour partager la lumière. Jusqu'à leur retraite, les deux ennemis n'hésitèrent pas à se lancer des piques. It's a team, but what about individually for you? He's got one more than Shaq. The 2010 NBA champions. Do you think I was pissed when you got number 5? Of course you were. Oh, no doubt. I told my house up. No doubt. I bet you did. No, I went crazy. Heureusement, Shaq et Kobe ont réussi à recoller les morceaux et faire la paix avec le passé avant le tragique décès de l'arrière. Les Lakers 2004 restent donc dans les mémoires comme une super team de l'enfer, alors que ces légendes tentaient de finir leur aventure en beauté. Ironiquement, les habitants des lacs n'ont pas réussi leur chant du cygne. Kobe, nigga, tell me how my ass tastes. Okay, Kobe, tell me how my ass tastes.